Bonjour, alors comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour quelques petites techniques dont je vous avais parlé, comme on a pas mal de débutantes qui ont rejoint le groupe des scrapbookings. Voilà, j'ai vu que vous posiez pas mal de questions et je vous en remercie, c'est super sympa, comme ça nous permet de vous donner plus d'idées, plus de réponses, plus d'éclairage avec les moyens qu'on a, bien entendu. Alors, bon, on va commencer par l'embossage. Alors, effectivement, une scrap copine a demandé si elle pouvait embosser avec un sèche-cheveux. Alors, non, malheureusement, ça fonctionne pas. Il faut vraiment ce fameux heat gun. Voilà, c'est qui est vraiment très puissant et qui lui embosse très bien. Regardez pas l'état du mien, c'est vous dire si là c'est un. Alors, pour embosser, bah, écoutez, on va prendre une carte sur laquelle on va mettre un tamponnage. Voilà, je vais faire un 14-14. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Alors, vous prenez votre petite carte, comme ceci. Vous allez choisir un tampon. Voilà. Moi, je vais prendre celui-là, que je trouve très sympa. Voilà. Voilà, donc je pose mon tampon ici. Ça serait bien que je prenne ma poudre d'embossage. Ça peut toujours servir. Voilà, très bien. Voilà. Donc, ensuite, je prends mon petit appareil. Voilà. Alors, je pose. Voilà, ce tampon ici. Je vais bien appuyer. Voilà. C'est très utile si vous avez ce genre de petite. Je trouve jamais le mot de ce que j'utilise, mais bon, j'arrive à l'utiliser, c'est déjà pas mal. Voilà. Et donc, moi, je vais prendre là, du marron, pourquoi pas. Voilà. Et voilà. Alors là, déjà, avant d'embosser, on va tamponner. Alors, vous pouvez le faire. Moi, je le fais à la verse à fil. Vous pouvez le faire à la verse à marque. Vous pouvez le faire avec toutes les encres que vous avez. Voilà. Voilà. Et maintenant, nous allons embosser. Alors là, je repose, je nettoierai après. Pour cela, je prends une feuille et je vais prendre ma poudre d'embossage. Alors là, je prends une poudre d'embossage incolore. Voilà. Si vous utilisez de la Versamark, par exemple, qui ne se voit pas puisqu'elle est déjà incolore, vous pouvez utiliser des poudres de toutes les couleurs. Voilà. Alors moi, j'en ai pas mal. Hein. C'est vrai que j'ai toujours la main. Voilà. Alors. Très important, on enlève l'excédent de poudre, sinon ça fait pas joli. Alors je vais tout de suite remettre ma poudre, voilà, comme ceci, et nous allons maintenant prendre notre heat gun pour endosser notre tampon. Je vais faire devant vous. Allez.
Voilà. Et voilà. J'ai embossé mon petit personnage, ma fée. Voilà. Alors après, à vous, soit vous la laissez comme ça, soit vous la peignez, enfin, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez la coloriser, vous pouvez la laisser comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est très simple à faire, un embossage à chaud. Vraiment très, très simple. Voilà. Donc, avec ce genre de petite poudre, comment dire, qui est incolore. Mais je vais vous montrer aussi, voilà, ce que vous pouvez utiliser. Vous avez aussi d'autres coloris de poudre. Voilà. Si vous utilisez, par exemple, la Versamark, qui est une encre, vous voyez, qui est comment dire, incolore, vous pouvez utiliser du vert, du bleu, du rose. Là, on a c'est un marron, mais qui donne or. Voilà, vous pouvez utiliser, vous avez toutes les couleurs de poudre. Par contre, quand on part, pareil, si vous utilisez une Versafine rose, vous pouvez très bien utiliser aussi un pigment rose que vous mettez dessus, voilà, ou un plus rouge, voilà, ça ne vous empêche pas, en fait, voilà, tout dépend, voilà, ça c'est une autre, c'est un peu comme la Versamark, d'ailleurs celle-là est toute neuve, c'est une autre marque de, je vais pas le dire, de tampon pour embosser, voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il en était en poudre d'embossage. Voilà. Alors, bah, écoutez, maintenant, cette petite carte, hein, maintenant qu'elle est là, on peut la continuer. Hein, on n'est pas obligé de la laisser comme ça. La coloriser, je le ferai après, parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Et je ne vais pas vous imposer ce temps, mais par contre, on peut mettre... Des couleurs, je pousse un peu, hein, parce que j'ai pas mal de choses à vous proposer. Par contre, je vous le propose, mais je vous ferai plusieurs petites vidéos de façon à que ce soit pas longue. Donc, on va terminer avec cette petite carte. Hop, ça je le verrai après. Voilà. Vous pouvez utiliser aussi des pochoirs, bien entendu. Voilà. Moi, en l'occurrence, je ne vais pas en utiliser. Je vais juste mettre un peu de couleur. Auprès de ma fée. Voilà. Quelque chose de vraiment très simple. J'essaie de vous... Dans le bleu. Et en bleu, je vais peut-être rajouter... Pourquoi pas. Alors. Et après, je n'aurai plus... coloriser ma fée. Après, évidemment, je vais rajouter d'autres petites choses, mais voilà déjà l'idée. On peut mélanger déjà deux couleurs, ça vous donne une petite carte simple. Voilà. Alors, soit vous le laissez comme ça, soit effectivement vous pouvez le coloriser. Alors après, moi, ce que je peux rajouter, parce que j'ai plein de petits trucs qui sont très sympas, des petits papillons par exemple, pourquoi pas. Alors pour cela, je vais prendre ma petite plaque, mais là je vais pas les embosser, je vais pas forcément les embosser. Alors, on n'est pas obligé de tout embosser. Voilà, je vais en mettre un là, un par ici,
un par là. Voilà. Vous pouvez rajouter vraiment ce que vous voulez. Voilà. Le tout, c'est de bien nettoyer vos tampons quand vous les avez utilisés. Voilà. Voilà, je vais le remettre. Et voilà pour l'embossage. Bon, ça c'est pour moi, c'est une petite ébauche, vous voyez. C'est une carte sur laquelle je mettrai autre chose. Mais voilà, vous avez votre figurine embauchée, votre tamponnade embossée. Voilà pour l'embossage, je ne vais pas le dire, pour l'embossage à chaud. Voilà, bah je vous retrouve très bientôt pour créer une page et vous montrer surtout des fonds. Comment faire des fonds très 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 facilement. Voilà, avec différentes encres. À bientôt.